devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Amen. Amen. Ce soir, ma réflexion est plutôt de format ou de type témoignage et confidence. Ce que j'appelle méditation d'amour dédiée aux femmes d'amour à la fin de mon sermon. Pas un sermon, mais à la fin de ma réflexion. Vous verrez pourquoi. Je vous présenterai cela en trois points. Le premier point, c'est un exercice difficile, mais je vous ferai une brève confidence sur moi-même, du monde. Le deuxième point, c'est je vous présenterai brièvement aussi la stupéfaction de Jésus d'amour, on dirait un diable pour une fois. Et le troisième point, c'est hommage aux femmes d'amour. Peut-être que les hommes qui sont ici présents ou qui nous regardent disent, mais qu'en est-il de l'homme des hommes? Il est plus féministe ce soir. Mais ça veut dire profiter d'apprécier, d'aimer, de le dire, de le prouver aux gens que vous aimez avant qu'ils soient coupables. Attention, attachez vos études, parce que le voyage va commencer du continent américain et au continent européen. Je commence par ma mère, et quand je parlais de femme d'amour, mais je commence par celle qui m'a donné la vie, qui m'a mis au monde. Je veux parler de cette grande dame qui s'appelle Annette Duterville, qui n'est plus parmi nous. Mais je dois vous dire que je suis issu d'une famille nombreuse. Et je suis le plus jeune, le dernier de cette famille, d'autant plus que je suis né un dernier jour du mois, et je ne vous dis pas quel mois. Lorsque mon père est décédé, j'avais environ entre 6 et 7 ans. C'était très compliqué. Mais ma mère, Anita Duterville, a continué à nous élever, à nous éduquer toute seule. Elle nous a inculqué une éducation correcte. Dans la voiture, j'ai été élevé, grandi dans un très beau village jusqu'à présent, meilleur, dans le département de l'Ouest en Haïti. Peut-être les gens qui sont là, peut-être en train de regarder ou vont regarder le sermon, la vidéo, la célébration, je les salue. Et oui, je suis le fruit du travail et de la prière. Si je suis ici, ce n'est pas un simple hasard, mais il y a une grande histoire derrière cet homme qui n'est jamais seul. Un super protégé des dieux, car les obstacles, j'en ai connu, mais on est montré dessus, parce que Dieu est pour nous protéger. Aimer et apprécier par les personnes et du village, notamment les personnes
âgé. Oui, peut-être c'est à cause de la qualité de l'éducation que ma mère nous a inculqué. C'était la joie de vivre. Je ne savais où aller manger pour certainement deux plats qui m'accordaient tout le temps. Oui, je pense à une belle dame qui est vivante de Tati Sirevindi, qui est devenue là pour nous. Avec quatre grandes sœurs, j'étais un petit prince. Quand je voulais être complet, j'ai appris à faire, à manger, à repasser, mais sans une nécessité. Peut-être que l'on peut le confirmer. Sans une nécessité. Grâce tout ça à des cousins, des proches. Plus âgés que moi, j'ai suivi et je profite de cette occasion pour dire ainsi Jean-Robert Bernet Fonfon, des cousins, des proches qui m'ont appris à faire à manger, à repasser. Et ça m'a servi, n'est-ce pas, ou l'autre? Mais de tout ça, je veux rendre hommage à deux femmes extraordinaires, des personnes âgées encore, qui étaient très proches de moi, mais qui sont parties pour l'au-delà maintenant. Elles étaient toujours là pour moi, respectueuses, proches de ma famille, qui m'ont encouragé dans la bonne direction sur le chemin de la prière. Et je voudrais citer leur nom, c'est Altagrâce Rémy et Hélène Rémy. Je dédie cette première partie à ces trois femmes, à ces trois dames, Annie Duterville, Altagrâce Rémy et Hélène Rémy. Maintenant, comme je vous ai dit, trois parties. Qu'en est-il maintenant? Allons voir ce qui s'est passé avec Jésus, qui était dans une situation qu'on ne peut plus. Au point que les Juifs disaient, mais quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte? C'est comme si dans le langage populaire, dans le registre familier, c'est comme s'ils disaient, il a quelqu'un de cas. On n'a jamais vu Jésus dans cette situation, dans cet état. Oui, la réaction spectaculaire de Jésus, ça veut dire, Jésus veut dire, voulait dire, halte là, attention, le matérialisme a ses limites. On ne fait pas n'importe quoi dans cet espace de prière. Chers amis dans le Seigneur, quand Jésus parlait du don, cela ne veut pas dire exclusivement l'espace physique, le bâtiment. Et quand il parlait, c'est ça que les Juifs ne comprenaient pas. À l'époque, il fallait attendre la réjection pour comprendre tout cela. Mais c'est aussi son corps. Et ce corps s'inscrit dans le repas eucharistique que nous organisons à chacune de nos célébrations. Et c'est ce que nous allons célébrer tout à l'heure. Jésus voulait dire aussi, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Ce corps, c'est l'Église universelle. Le message de la terre du temps est clair. Il y a deux choses fondamentales. C'est premièrement, c'est la qualité de notre adoration qui est importante et la présence de l'Esprit Saint et non le lieu, l'espace physique. Pour Jésus, ça ne veut rien dire. Qu'en est-il des gens qui n'ont pas une belle cathédrale comme celle-là? Qu'en est-il des gens qui dorment dans la rue? Qu'en est-il?
difficile de ce n'est ni le lieu ni l'espace qui est important, qui sont importants pour Jésus, mais c'est l'adoration, la qualité de l'adoration, la disposition, et c'est ça qui va favoriser aussi le Saint-Esprit. Oui, honorer ceux et celles que vous aimez. Deuxième partie terminée maintenant, on en parle la deuxième partie. C'était hommage d'amour aux femmes, mais quel titre ? Hommage d'amour aux femmes d'amour, que je disais, profiter, d'apprécier, d'aimer, de le dire, de le prouver aux gens que vous aimez, avant qu'ils soient trop tard. Ça veut dire, honorer les gens, vos proches, avant et après la mort. Et non, après la mort, il faut les aimer, il faut les encourager, il faut les honorer, avant qu'ils soient morts, et après la mort aussi. Oui, mais ce n'est pas le contraire. Oui, débarquer sur le continent européen, bien évidemment, je voulais parler du monde. J'ai rencontré des difficultés, des obstacles, mais ça me fait penser à Psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Parmi les personnes d'amour que Dieu a mis sur ma route, c'est difficile, mais je suis obligé de faire un choix. Pardonnez-moi, je vous aime tous, mais aujourd'hui c'est exceptionnel. Parmi les personnes d'amour que Dieu a mis sur ma route, je veux citer Mère Hélène Jolin, la révérende, c'est une révérende de la convocation. Je veux citer aussi Ariel Rivière, qui est là. Tu es aussi une personne d'amour que Dieu a mis sur ma route. Je vous aime et vous aimez tous, mais aujourd'hui c'est exceptionnel. Et je veux aussi citer Emilia. Elle a une énergie extraordinaire. Elle vient de fêter, elle fête ses 20 ans. Oh, pardon. Elle fête, on n'a pas besoin de savoir, mais c'est son anniversaire. Comment célébrer? Ou, je ne sais pas, s'arrêter, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot de ne pas parler particulièrement Emily Young. 60 ans arrivés en 1963, 61 ans de service au sein de cette cathédrale. Et nous avons la chance dans cette mission, parce que nous avons deux personnes au niveau de la cathédrale aussi. Nous avons deux personnes qui ont à peu près le même profil, près de 61 ans de service, ni pour Emily, ni pour Sister Agnette Rivière. C'est un anniversaire d'Emily, bien évidemment, on parle beaucoup plus d'Emily, mais c'est la même chose, c'est le même profil. Âgé, je ne sais pas. Oui, 61 ans de service. Émilie, la bilingue, je dirais libéro-américano-française. Redoutable professeur passionné pour la Sainte School et qui n'a jamais cessé ce ministère pendant des dizaines d'années. Elle a raflé tous les ministères au sein de la cathédrale.
Thank you.